tout le monde, on est reparti sur du Farmer's Life, on est en plein hiver et on doit se préparer au printemps, même si on est bien parti vu que l'on a déjà un cheval et sa charrue pour labourer cette parcelle et protéger nos champs du bétail. Alors je n'ai pas vraiment eu de pertes lors des récoltes précédentes, mais on a de plus en plus de bétail et ça fait de toute façon une sécurité supplémentaire. On m'a signalé dans les commentaires qu'il y a une truie enceinte depuis 7 mois, effectivement, il y a donc une arrivée prochainement dans la ferme de prévu, ça c'est absolument génial. Je sais pas par contre combien de temps est-ce que c'est censé durer, 8 mois, 9 mois pour les cochons, je ne sais pas, en tout cas ça ne devrait pas tarder. On m'a également prévenu de bien choisir ma femme, vu qu'il y en a 4 dans le jeu et chacune a un avantage bien particulier. Certaines vont être plus utiles pour les chasseurs, pour les bûcherons et pour d'autres activités. Et je dois dire que je vais le faire à l'ancienne et je vais y aller à l'apparence. Je suis un romantique et c'est peut-être superficiel, mais ouais, on y va avec Sophie, c'est décidé, on va pas hésiter. Allez, Sophie, et on va tenter de la convaincre hein, de nous marier. Bien, alors j'ai une quête à valider, on a normalement, oui, celle-ci, et j'ai une quête tête forte, c'est quoi cette histoire? Vous ne pouvez pas m'aider, personne ne le peut. Ah, ça c'est le gars que l'on combat régulièrement. Soulez-vous, revenez et nous parlons. Oui d'accord, donc il faut boire un bon petit verre et aller voir peut-être le combattre, on va voir. Mais en attendant, on doit parler à Philippe, qui je pense est peut-être au village. On va voir cela, mais avant je vais récupérer... où est-ce que j'ai laissé mon... Ah oui, je l'ai laissé, oui, quand on a acheté le cheval, d'accord, oui. Il est là-bas. Oh, je vais devoir faire ce chemin à pied. 43 minutes. Bon, quand même, bon, ça sera pas grave. Il est quelle heure? Il est 15h, 16h et les poussières. Ok. Alors, est-ce que j'ai des choses à vendre déjà? Non, pas ici en tout cas. Ah, on a ça ici. Ah, oui, tu es pas Philippe, hein, je vérifie quand même. Non, tu es Patrice. Et on m'a signalé d'essayer de me rapprocher du gars qui est à l'entrée de la ferme d'État. Vu qu'il a une très bonne surprise pour moi, je ne vais pas vous spoiler, mais ça a l'air bien cool, et donc je vais essayer effectivement de faire quelques quêtes pour lui. Ou quêtes, ou alors lui faire des cadeaux, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, si les cadeaux suffisent. Antoine, j'ai pas de quête pour toi, donc parlerons-nous. Je crois que se rapprocher de lui va également baisser le coût de peut-être des contrats pour agrandir la maison. Liqueur de framboise, cigarette. Tablette de chocolat, pois avec les choux, soupe aux champignons. Quoi? Mais t'as rien. Ok, bah les cigarettes, hein. Va falloir acheter plus. Ok, on va faire un paquet de cigarettes. Donc je vais acheter. Je suis à 1180. Je vais acheter plus de graines de tabac. Parce que j'en ai besoin pour certains bonhommes. Et je pense que beaucoup de cigarettes vont permettre de vraiment nous enrichir rapidement. Beaucoup de tabac, pardon. Donc j'ai déjà, je crois, une vingtaine de graines de cigarettes. On va en faire plus. On va avoir un grand champ. Donc, hop. Alors. Prêtons. Graines de tabac. Ouais. Non, ça c'est du tabac. Je sais pas si c'est des graines de tabac. Voilà. On va en prendre. On va en prendre 40. 600, la moitié de ce qui me reste. Mais bon, très bien. Maintenant. On va au marché. Parce qu'on doit peut-être... parler à Philippe. C'était Philippe, ouais. Je crois qu'il est là-bas, Philippe. Et j'ai également un trophée à revendre. Ah, j'ai pas ramassé d'alcool. Pas grave. Ah, donc c'est lui qui achète. Voilà, pas grand-chose. 28. Bon. Ok. Philippe, y a-t-il une récompense? 500! Catching! bah, je peux vous aider? J'apprécie mes animaux et c'est un gros problème parfois quand tu dois les vendre, surtout quand on sait ce qui leur arrive après. Tout vrai éleveur devrait savoir comment gérer ça. Vendez un de vos animaux adultes. Comment on vend? Est-ce que je peux mettre une poule? Je peux vendre une poule parce qu'on en a pas mal. Je crois que ça devrait être bon. Ouais. Peut-être je vais voir déjà si je peux la mettre dans mon chariot. Alors, on m'a signalé que le dernier emplacement, où il n'y a jamais deux, est celui pour le poulet. D'accord. Alors, graines, donc ça va me faire 60 graines de tabac. Bon, hein. Ça, je vais le mettre là, je crois que c'est ici. Ouais. Oui, j'ai de la paille sèche. J'aurais peut-être dû la mettre plutôt que celle-ci. Voilà.
je vais la mettre parce que je pense qu'elle est plus nourrissante et du coup on peut peut-être garder celle-ci pour la sécher. On va voir. Et ça, ça devrait suffire pour notre cheval, pour nos deux vaches et notre taureau. Ok. Je voulais faire quelque chose, je me rappelle plus c'est quoi. Alors déjà, je veux de l'alcool. On a quoi en alcool? On n'a pas d'alcool là, l'alcool est plutôt ici. Ok, une bouteille de vodka. Je vais m'en prendre deux. Alors, d'ailleurs, au passage, je vais déplacer toute ma nourriture dans la cave. On m'a bien confirmé qu'elle ne pourrit pas à la fin de l'hiver. Alors, je ne sais pas si elle va toujours être accessible depuis la cuisine, cette nourriture, mais il va probablement falloir faire le transfert. Mais bon. Les choux, ça c'est cuit, café, voilà, parce que ça dit bien, ce produit pourrira quand l'hiver sera fini. Et si je le mets là, oula, on voit pas grand chose, je vais ramasser, ah, j'ai plus la lampe là, ok, si je te mets là dedans, ça ne pourrit pas. Alors j'espère que sortir de la cave ne va pas le faire pourrir instantanément, mais... Et... tout est... Ouais, ouais, il va falloir... il va falloir les transférer. C'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Bah, hop. Et je vais juste vérifier quelque chose. Où est-ce que j'ai mis ma lumière? Je vais l'avoir mise là. Ok, pas grave. On m'a dit de vérifier s'il est possible de mettre hop, de la lumière. Ouh, oui. Oui, il est possible d'éclairer dans ce bâtiment. Et dans celui-ci également. D'accord. Bon, bah, très bien. Alors, on va dodo. Et on passe à janvier. Faut d'ailleurs passer au maire pour voir s'il faut payer la facture. Parce que... Il va falloir acheter des ampoules, mais j'ai tellement de choses à faire que c'est pas évident. Alors, nouvelle journée, j'ai ramassé pas mal de crottes. On va transférer ça là-bas et je me suis rendu compte que j'ai oublié de rentrer les vaches. Du coup, qu'est-ce que tu veux ? Ah, elle s'est mise stratégiquement, elle. Du coup, je n'ai pas pu traire les vaches. Par contre, j'ai ramassé les œufs, donc voilà. Hop là, super. Je vois qu'il n'y a plus d'autres crottes. Alors à nouveau, on voit bien les crottes dans la neige. Ça, c'est vraiment la meilleure saison pour les ramasser. Parce que c'est noir et apparemment, ça ne se recouvre pas de neige. Peut-être qu'elles sont encore chaudes. Hein. Vous voyez, la température fait fondre la neige. On va dire que c'est ça. Alors au passage, on a toujours ce bâtiment en cours de construction. Il me faut un paquet de... Ah, il va falloir nettoyer nos animaux. Il me faut un paquet de tôle, mais ouais. Bon. Et l'échelle passe encore au travers. Alors l'échelle, on va la bouger. On va plus la mettre là. On va la mettre ici. Parce que... Voilà. Super. Maintenant la brosse. Alors je ne sais toujours pas à quoi ça sert de brosser nos animaux. Elle est où ma... Elle est là. Je suppose c'est une preuve d'amour avant de les abattre. Mais ouais. Ah non mais attendez. Ok bah alors elle. Ah non, 6 mois c'est le nombre de mois restants. D'accord. C'est le nombre de mois restants. D'accord, donc c'est noté. Burek qui arrête pas de fuir. Alors, elle, celle qui nous bloquait tout à l'heure. Oh, celle-ci est vraiment sale. Et encore 6 mois. Bah, je crois qu'ils vont faire leur bébé en même temps. Non. Ok. Et elle, 7 mois. Oh, bah, dis donc. On n'a pas moyen de les vendre, hein. On attend le bébé avant. Alors, est-ce que je
peu. Je pense. Je sais pas si ça compte les poules. Est-ce que je peux te ramasser, toi? Ah, les poules, ça va être dur de les coincer. Je pense pas que c'est possible. Ah, alors, au vu de la quête, il faut emmener un cochon ou une vache. Parce qu'il faut demander à la bête de nous suivre. Il faut qu'elle soit bien engraissée et qu'elle soit propre. On peut pas engraisser et nettoyer les poulets et les poules. Donc, ouais, ça. Au moins, je sais que c'était pas possible. Très bien. Bon, on va attendre un bébé. Et ensuite, on va voir. Alors, ça, je vais le garder. Je vais le vendre. On va vendre également les œufs. Je vais poser le lait là-dedans. On va boire un petit peu pour pas tomber malade. La fourche, on la pose. Oh, il n'y a plus de place. Oh, il n'y a plus de place. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, on va retirer tous les outils et les mettre. Là, ça va être juste pour la nourriture. On va mettre les outils dans le stockage à côté. Voilà, parfait. Alors, j'ai également rajouté un peu de carottes pour mes cochons. Il va falloir acheter de l'avoine parce que les carottes, c'est un peu cher pour les nourrir. J'ai refait le stock là. Je me suis rendu compte que je n'ai pas mis de foin à sécher. De toute façon, il ne nous en reste pas suffisamment. Ça prend quoi? 4, 5 mois 3, 4 mois pour sécher plutôt. Et je n'ai pas assez de stock d'herbe de toute façon. Donc, bah, ce sera pour l'année suivante. Du coup, je vais repositionner ça. On va les poser au sol et on va les repositionner... à l'extérieur plus tard. Bon, du coup, il me faut aller acheter de l'avoine et je vais tester ça avec... Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on est bon. Je veux voir ce que je peux faire avec Stan. Je crois que c'est Stan. Hein. On va boire avant. Un petit coup de vodka. On ne peut pas se plaindre. On est russe. Voilà. Eh, vraiment? Tiens, tiens. Stan. Ah. C'est ça qu'il voulait faire, Stan? Tu voulais que je sois bourré pour me battre plus facilement? Bon, on va lui piquer ses pommes. On va tout piquer, de toute façon. Au pire, je pourrais revendre les outils. Je pourrais revendre ses outils. Je suis un petit peu déçu, là, quand même, Stan. Déçu, je suis à 1100. Ouh, c'est le boire tombe. Je vais attendre qu'il se relève et je vais boire un petit coup et voir si je peux déclencher la quête. Hein. Prenez un bon verre. Je parie qu'une flasque n'est pas suffisante pour répondre à ses exigences. D'accord. J'y retourne donc avec 2. Non, toujours passé? Ah! Il m'a donné quelque chose, j'ai pas fait gaffe. Tête forte. Fallait 3 flasques. Purée d'avoine. Oh, est-ce qu'on peut faire... Oh, on peut peut-être faire quelque chose. Avec l'avoine, ça va être plus simple, effectivement. Tu as découvert Bunker. Celui là-bas. Ben, on va y faire un petit tour. Avant, je veux voir le coût des barres de chocolat. Ça picote quand même. Hein. Espérons que l'on trouve un petit peu de barres de chocolat là-bas. Parce que si je dois les acheter pour satisfaire le bonhomme en haut, ça va me coûter une vraie fortune. Du coup... Oula, oula, oula. Ok, on est vraiment bourré là. Faut suivre la route. Ouh. Ok. Faut suivre la route. Il y a un bunker au bout, il me semblait que c'était à la rivière. Ah, je vais pas du bon côté, ok. C'est du côté là-bas, à droite. Ici. Bah tiens, je vais m'arrêter là, pour voir si je dois payer quelque chose pour l'électricité. Enfin, je sais pas si je l'ai coupé au passage. Probablement. Peut-être pas. Je sais où je paye l'électricité? C'est pas là que t'es censé payer l'électricité? Ok.
Moi, si tu veux pas que je te paye pas. Au passage, j'ai oublié de regarder si on n'a pas un coffre dans le coin. Il n'a pas été ramassé. Non, on est bon. Ok, on continue la route. Ah. Ah tiens, ça, ça va me faire un peu d'argent. Je pense pas l'avoir démonté. Ah, zut, je l'ai déjà démonté. Bon, voilà. Alors, maison. Est-ce qu'on a un coffre? On m'a dit qu'il y a toujours un coffre par maison, mais je suis peut-être passé là si je suis passé. Ah! Ah, bah tiens, barre de chocolat, parfait. Tablette plutôt. Ah, du sucre, ça, ça vaut pas mal. Peau de sanglier et du carburant. Bah, du tout bon, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. On continue. Il doit être là-dedans. Oula, prise. Je le vois. J'espère qu'il n'y a pas d'ours parce que j'ai pas de fusil, hein. Ouais, j'ai pas de quoi éclairer non plus. Mince. Bonjour les gars, on va faire mal. Peau d'ours. Bah, parfait. Un peu de munitions, je commençais à être un petit peu juste. Grenade, on en a besoin. Ah, c'est grenade allemande qu'il nous faut. Je crois qu'il nous en faut une de chaque. Donc c'est pas. Ouais, deux tablettes de chocolat, génial. Ampoule, on en a besoin. D'autres grenades. J'ai plus de place. Bon, on va sortir. Et poser ça. Ici. Lâche-le, s'il te plaît. Ouvrir. Ok. Je vais mettre quoi dedans? La peau là. Grenade. Toujours trop lourd. Ça va faire beaucoup de place, tout ça. J'ai 56 œufs à vendre. Très bon conseil, ça, scan disque. Ah, du coup, on retourne. Ok. Ok, je vais dire passer tout parce qu'il y en a quand même pas mal de choses là-dedans. Ça. Oh! Ah, ok, non, non. Monsieur Mince, j'ai loupé un étage dans tous les bunkers. Non, non. Bon, ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Ben, on va là-bas. Ça fait un peu de chemin. Parce que je veux vendre mes œufs. Mais je veux également donner les tablettes de chocolat. Elles sont toutes sur moi. On va récupérer les œufs à nouveau. Ok, encore deux, je dirais. Ok, ensuite. Voilà, on est à 1500 là-dedans. On va garder tout ça. Bon, je pense que
je vais voir à nouveau ce que ça va me coûter. Je vais déjà transférer ça. Alors, je mets un petit peu de pomme pour les cochons. Ils devraient adorer ça. Et je voudrais mettre... Il va me falloir un autre. Ok. Voilà, ici. Comme ça, je vais pouvoir éclairer. Quoi? Mais je suis allé voir pour le payer, le... Bon, on va revoir le maire. Ah oui, et je voulais voir avant. Ça fait marrer comment ça tourne. Donc il nous faut grenade allemande, ferraille et mine. Est-ce qu'il me reste des mines? Donc il me faut des mines. Je peux aller en désamorcer. Et donc les grenades soviétiques. Mais déjà je vais voir le maire. Mince, on te raccorde. Maire, je suis venu voir. Pour te payer et tu m'as pas donné l'option. Alors on m'a dit de vendre la bague de fiançailles, je la vends pas parce que justement je veux me marier, hein, donc je la garde. Permission. Ah, il fallait cliquer là, il faut payer. D'accord. Ben voilà, t'as tes 15 pièces. Vraiment, ça y est, t'es content, tu peux me remettre l'électricité. C'est quoi, c'est deux œufs. Je devrais lui faire une pile d'œufs, comme ça il vend régulièrement. Alors, du coup, oui, on va désamorcer les mines. J'espère qu'on peut bien les voir là, sans herbe. C'est peut-être le moment idéal, d'ailleurs. Une fois que c'est fait, alors il me faut 3 bombes. Donc 9 mines. Une grenade allemande. Et 3, oh, ça va faire tout cher tout ça, mais bon. Ça on te ramassera plus tard. Je ne suis pas venu avec le... Et on va déjà sauvegarder parce que... Ah, je crois que je vois les mines. Ah ouais, je me rappelle du mini-jeu. Ouh, il y en a un paquet là. Alors. On va prétendre que c'est le premier essai. Voilà. Hop, on la ramasse. Et je continue. Voilà. Et la dernière qu'il me faut. Voilà. On en a bien 9. Il en reste d'autres. On passera. Pas de coffre. On passera peut-être plus tard. Je vais ramasser peut-être un petit peu, tant qu'à faire. Hein. Un petit peu de ferraille. Ça ne fait jamais de mal, je suis surchargé même d'ailleurs. Ah mince, j'ai fait pas mal de chemin à pied. Ah, les mines sont lourdes. Oh, oh, je crois que je vais peut-être devoir faire un petit combat. Non? Ah, quoi qu'il ne nous déteste plus maintenant, donc... c'est pas forcément une garantie. Alors, on te met là-dedans. Ah, c'est une à une, elle. Je peux mettre... Quoi? On va vendre un petit peu de choses. Les pots, ça va faire de la place. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre là-dedans? Petite grenade. Voilà. Ah, pas la place. Pas grave. Voilà. Bon, alors, il me faut une allemande. On est à 1600. Il me faut une allemande. Soviétiques. Ah, oh, j'ai acheté une pour rien. il me faut 3 soviétiques par contre. Elle en a que 2. Ah, c'est que je suis trop chargé. Bah, je vais devoir la vendre malgré. Ah, c'est pas grave. Un petit peu de perte. Mais, voilà. On va poser ça ici. On retourne et on va pouvoir valider une quête qui, j'espère, va apporter gros et qui va me donner... Ah! Hop là. Et qui va me donner pas mal de... Oh non! Bon, c'est pas grave, reste là. Je pensais que c'était figé au sol.
Hop. Oh. Est-ce que je peux les croiser, les fils? Ah, je peux les croiser, d'accord. Je n'ai pas eu les croiser dans mon premier essai, donc je pensais que c'était pas possible. En y pensant, c'est une sacrée coïncidence, du coup. Bon, alors. On a les maisons. Il faut détruire combien de maisons? 1 maison et 2 chars. Bah, je dois y aller à pattes. Croiser une crotte. Un char pas loin sur le chemin. Oh, pas trop proche avec ça, si jamais. Hop. Alors, on m'a dit dans les commentaires qu'il y a apparemment une maison et un tank proche l'un de l'autre. Alors, on m'a demandé d'essayer de les détruire les deux en même temps, mais finalement, le joueur a fait le test lui-même. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça en détruit que l'un. Alors. Ouh. Oh! Est-ce que je peux ramasser les planches? Je ne sais pas. Le problème, c'est que, ça a l'air d'être plein de ressources, hein, plein de fer, mais c'est un par un que les ramasse, donc. Alors. Est-ce que j'ai la scie? J'ai la scie. Ben, on va faire des planches, hein. On va pas se priver. Ça a bien validé? Ouais, ça a bien validé le tank. Hop. C'est marrant, on dirait qu'il n'y a pas de texture à la séparation des rondins. C'est là, parfait. Je profite en même temps pour ramasser les brindilles. Utile pour réparer les outils, ça. Quel soleil disparaît vite. Hein. Et les dernières planches. Et je peux effectivement les fusionner. Par contre, j'ai essayé. Je ne peux pas mettre les brindilles ou les branches avec les planches. Non, il faut les séparer. Bon. Il fait nuit, on va rentrer et on va reprendre l'exploration pour détruire le reste le lendemain. Il faut que je rentre les vaches et toutes ces petites choses avant d'aller dodo. Voilà. On rentre les vaches. Super. Ça, on le ramassera plus tard. Côté nourriture, on est bon. Ce que je veux voir, c'est est-ce que le cheval souffre de ne pas être dans son enclos. Et le taureau, pareil d'ailleurs. Et on a faim. Alors toi. Pas encore faim. Graisse, vivre encore, c'est bon. Taureau. Ah non, ok, c'est bon. Ah ouais, il me faut ramasser quelques œufs cuits. Je crois que je les ai laissés parce que les œufs cuits ne pourrissent pas apparemment. Œufs durs. Ok, je vais en prendre 4, 5, c'est grave. On va manger. Et toutes les lumières sont éteintes. Ok. Ah, on va tester notre petit bouton. Ah. Et les poules sont là. Bon. On va dodo. Et on a de la destruction à faire demain matin. Alors, je vais me lever cette fois-ci à 5h30. Parce qu'on va commencer à explorer avant. Puis on reviendra pour les vaches et tout.
Alors les faucons sont magnifiques dans le jeu. Parce qu'ils sont vraiment physiquement présents, on va dire, vous voyez. Très souvent, c'est juste un filtre sur l'écran. Mais là, je sais pas comment il l'a fait, mais on voit que certains sont plus proches que d'autres. Et c'est vraiment bien fait en particulier. Du coup, alors, sur la carte, il y a une maison juste là. Est-ce que j'ai déjà détruit? Non, j'ai détruit celle d'avant, pas celle-ci. Ok. Pas grave. C'est quel loin? Il y a un truc. Pourquoi c'est roulé? Oh, j'ai peut-être piégé un animal. Animaux chassés. Oh, j'ai piégé un animal. Peut-être un ours. Alors, bah, du coup, vu qu'il n'y a pas ce qui nous. Est-ce que. Non, alors ça, c'est pas des choses. Je me vois mal détruire les choses dans le village. Ça risque de mal finir pour moi. On commence à avoir froid, c'est ça? Au froid. Voilà. Hop. Et on mange un œuf. Super. Oh. Alors. C'est peut-être un petit peu trop proche. Je vais plutôt me mettre là. Ouais. Je sais pas si je peux détruire mon chariot. Alors. Hop. Et ça, on va dire adieu tank. Clic clic. Bam. Super. Ah, j'aurais préféré de la tôle, mais bon, les tanks sont pas vraiment faits en tôle. Ah, je crois que j'ai cassé un autre arbre. Ah, je suis des branches. Ah, celui-là, mais bon, je vais pas le couper, lui. Ah, est-ce que je le coupe? Je sais pas, on va voir. Donc, j'en mets 5. Je vais pas avoir assez pour les 5 derniers. Voilà. Ouh, je peux ramasser ça? Ah! C'est qu'il y a. Un coffre en dessous. Bah, je suis censé faire quoi avec ça? Pourquoi est-ce que c'est marqué, vous voyez? Peut-être faut revenir avec un tracteur. Ou alors je peux le porter. Non, je peux pas le ramasser. Peut-être revenir avec un tracteur ou une remorque. Pas d'autre coffre avant de détruire la maison. Bon, bah... Boum. Il y a l'air d'avoir un petit peu plus de tôle. Non, la même chose en fait au final. C'est quoi ça? C'est quoi ce nid? Il y a toujours un nid sur le toit qui tombe. Il y a d'autres ramassés. Ok. Bon. Alors au passage, j'ai coupé l'arbre. Hein. J'en ai fait des planches parce que ben, voilà. On va poser donc les planches là-dedans, parce que je crois que je suis pro... Oh, je suis même pas surchargé. D'accord, bon. Du coup, on doit rendre ça à qui déjà? Je crois au... Ah non, non, c'est la quête principale, d'accord. Alors, le miel, vendre un animal, livrer des cigarettes à Stan, ça atteint le cœur de Marie, et ça, et le hangar. Bon, bah, on va poser ça, et... on va là-bas. Oh, je crois que j'ai vu une crotte apparaître devant moi. Et ouais, on va les poser là, ça va pas suffire, hein, mais il en faut 16. Je sais même pas si c'est 16 et 16. Ouais, on a dit combien? Ouais, il m'en faut encore 91. j'ai plus que 155. Qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Ah oui, j'ai acheté les grenades. Oh là là.
Oh là là, je voulais maxer le gars, mais je vais même pas pouvoir maxer. Ouais, je voulais maxer le gars à la ferme d'État, mais je peux pas le faire parce que. J'ai pas assez d'argent pour acheter les tablettes. Je vais voir si je peux obtenir plus de mines et en vendre quelques-unes. Je sais pas si j'ai besoin de plus. Je vais avoir besoin de mines pour faire des bombes, mais je compte pas détruire d'autres maisons pour le moment. Et on peut ramasser ça sur le chemin. Oh! Oh, il y a de la tôle là! On peut trouver de la tôle comme ça. Ouais, bah alors du coup, on va poser ça là. 5. Mettre là-dedans. Et je peux normalement rajouter un petit peu. Plus un de plus pour moi, c'est ça. Tout ça, ça peut soit être vendu, soit être utilisé à la ferme. Donc. Oh. Voilà. Ouais, donc plus de tôle au final. Ah, c'est pas de la tôle, je pensais que ça en était. Oh. Qui a semé de la viande là? Je crois que j'allais visiter. Où tu m'as fait peur toi? Je l'ai visité celui-là. Ouais, je l'ai visité. Ça c'est probablement une maison également à détruire. Est-ce qu'elle a un coffre? Elle a un coffre. On prend tout ça. Alors par contre là, mon gars est démotivé, donc il ne peut pas porter beaucoup de choses. Mais c'est pas grave, on a le vélo. Donc, je vais voir si je peux vendre les mines. Normalement, Sophie les rachète, enfin rachète en tout cas la plupart de ces choses. Hop. Et ce serait vraiment top. $420, super. Et donc on va prendre les deux tablettes. Je vais garder tout ça je le veux. Et la tôle également. Je suis à 42. Donc, on va chez nous pour décharger un petit peu. Puis après, on va aller donner les choses à l'autre bonhomme. Ok. On va se rapprocher. Je transfère. Ah, il faut pas oublier de sortir les filles. Voilà. Vous êtes libre, hein? Je vais quand même les sortir, je suis pas sûr. Mettre un chapeau? Je peux mettre un chapeau également sur les vaches. Voilà. Là, vous êtes libre, allez manger et tout. Ah, je vais retourner là-haut, donc je vais vendre les œufs. Très bon investissement, ça. On va poser les 5 de tôle. Plein de crottes à ramasser également. Voilà. Maintenant, les crottes. Et la dernière. Ben, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. On remet l'outil là-dedans et. On va essayer de débloquer la surprise, si c'est possible. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire avant. Donc c'est là. Je crois qu'il manque un millimètre. Bon, on va lui donner une cigarette. Ah là là, on est max.
Oh. Oh. Alors qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que je dois lui donner deux moutons et une peau d'ours? Ou est-ce que je donne la peau d'ours et elle me donne deux moutons? Je comprends pas le. Je crois qu'il faut les deux, hein. Pourquoi il veut autant de moutons? 7 peaux d'ours. Ok. Je vois pas le cadeau qu'il est censé me donner. Ouais, et je vois que le prix du contrat n'a pas baissé. Bon, bah, un petit peu déçu. Je vais vendre mes œufs et je vais relire le commentaire. Il me semblait que ce bonhomme me donnait. Oh, peut-être c'est celui-ci qu'il fallait. On m'a dit celui qui est devant. Ah, c'est peut-être lui qu'il faut. Un bigot. D'accord, c'est peut-être lui qui me donne ça gratuitement. Traitons. Ok. Putain, je me suis gouré de gamins alors. Bon, je vais quand même vendre ça. Super, parce qu'il va me falloir de l'argent pour acheter des choses, ouais, demain. Et j'ai suivi un autre conseil qui devrait m'amener à ce que je cherchais de l'autre côté. Ouh, un sanglier, mais bon, j'ai pas de quoi le tuer, donc pas grave. Normalement, faut grimper là. Et c'est vers la droite. Oh. Attention, faut pas se faire coincer. Ouais, on a juste la scierie là. Et on a ça de camouflé. Avec comme surprise, une moto. Alors, faut acheter du carburant. Oh. Est-ce que je peux mettre la remorque dessus? Je sais pas. On peut peut-être y aller à pattes, ça, plutôt que se téléporter. Voilà, oui, c'est vrai. Misère! Ah, il y a une certaine. Ok, il faut sortir de là. Je suis si triste, pourquoi t'es triste? T'as une moto! Et allez, ça, allez! Je peux pas cogner un cerf avec? Cette direction, hein. Ouais. Ouh. Un peu savonneux quand même la conduite. Ah, vitesse 3, c'est la vitesse max. Oh. Va falloir par contre récupérer quand même le. Oula. Le vélo et la remorque. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai fait pas mal de choses pour essayer d'obtenir cette moto au bonhomme. Mais je crois que je me suis trompé de PNJ. Par chance, on peut la trouver ailleurs. Donc, c'est cool. Ouais, voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye!